Merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Merci de nous faire du bien au travers de ta présence. Nous voulons te rendre toute la gloire de Rosh Hashanah. De te mettre bien ici. Merci. Et merci de nous guérir. Merci de nous délivrer. À toi seul, à toi. C'est dans le nom de Jésus que je vais prier. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. J'ai posé un petit retard parce qu'il y a eu une pluie. Bien, pardon. Il a été à Tico. Mais, André, il y a quoi qu'on vous demande de démarrer avec le matin. Elle est venue spécialement m'attaquer. Elle me l'a dit ouvertement. Moi, j'ai mis vous. Avant, dans les villas où les coups mentaient, où les sorciers mentaient. Elle lui a dit, je suis venu. Il n'a qu'à monter à propos de moi. J'ai dit, tu es courageux, c'est ça. J'aime entendre ça. Je vous dis une seule chose. C'est que celui que j'ai pris là, il a vaincu la mort. Moi, amen. Donc, je n'ai pas peur de terminer. Ça me dit rien.
Et nous avons fait un bon. Mais j'ai été dératé. Mais nous ne trouvons pas les bons. J'ai dit, j'ai bon courage. Et moi, je vous donne un bon. Vous êtes censé vous cacher. Allez, vous allez vous attraper. Non, je ne sais pas. Allez, venez du monde. Oh, il y a un ami. Je suis venu te tuer. Il n'a pas mon frère de drap. J'ai dit, ah, bravo. Hein, il a sauvé. Je te dis cette chose. Et quoi, vous avez lui, ami. Qui est avec moi. À mon âme, il a vaincu la mort. Oh, tiens, bien. Donc, je n'ai pas peur de me dire. Il n'a pas mis mort. Il s'en est. Non, non, non. Vous savez, le diable à la fête, comme on dit, les comme le lion. Oh, il y en a. C'est pas ça, comme le lion. Oh, oh non, il est bien, vous savez, la lion ne me grogne pas, c'est le lion qui grogne. Il y a même mon plus mal. Le lion ne chasse pas. Amen, il y a même un mot, c'est la lion qui chasse. Non, mon mot, piga. Quelle est la stratégie mise en place? Le lion, il grogne. Et quand on a même pris, il y a même un mot. Et la lion chasse. C'est moi, on m'avait bien. Dans ce truc là, il y a un pouvoir. Pour neutraliser et dormir. Elle commence à grogner. Donc le diable, va voir, il fera comme les lions. Et il va t'effrayer. Et c'est ça. C'est là qu'il arrive à vous avoir. Il vous effraie. Moi, les menaces de mort, ça me fait sourire. Parce que je sais qu'on dit j'ai mal. Amen! Moi, quand même, il m'a fait. Amen, quand on y a même là. J'ai été réalisé souris. Il n'y a pas de nom de vous dire. Comme Moïse devant la mer. Il n'y a même pas de nom de vous dire. Il a commencé à lui taisez-vous. Là, on prend bien vous. Ne craignez pas. Non, non, c'est bien. Moïse, c'est l'océan. Il dit, calmez-vous. Mais combien même vous savez, quand tu connais Dieu, et qu'il y a la gueule, tu sais que tu le représentes. C'est qu'il est. Encore la gueule. Quand tu as une difficulté, oui, comment oui. Tu es serré, tu n'as pas peur. Et c'est ça. Le diable fait miroiter des choses. Je vais te faire tomber entre les griffes du diable. C'est ça. Mais bon. Le petit sorcier du village a dit, oui, vous avez besoin. À te manger. Allez, oui. Tu traques, tu traques, tu manges. Oh, il y a un problème. Tu perds la foi et la vérité. Amen. Mais en même temps, c'est pour lui que tu perds. Moi, il dit, garde. Il dit, les ténèbres combattront à point. Les gens vont aider. Aidez-moi. Non, bien. Je suis choumouillard. Non, est-ce que tu as mis où? Est-ce que tu as mis manger? Je vais lire. Tu ne peux pas manger. La mis où? Tu as beaucoup mangé. Et la maman dit. Bah, moi, tu as fait carême. Ah, mais vous connaissez les égards. Mais je l'ai dit. Non, mais tu dis. On a essayé de les terrasser. Ah, non, ton père. Je vais les attraper. Et comment? Elle m'a dit ton Jésus est fort. Oh, non, je dis. Elle dit où est ton pouvoir? Elle dit c'est là. Viens, je vais te faire. Okay, avec tout son pouvoir, elle m'a dit jusqu'au soir tu es mort. Alors que je vois un coup, mais ça, c'est un dragon, ce pouvoir-là. Mais c'est. On ne joue pas avec. Il y a un dragon. On est fini. Tu es cassé, j'ai écouté. Non, il ne veut pas. Et moi, il me dit, il a bien dit. La fille qui est prouvée la parole, je dis, n'est-ce pas? Oui, non. Il a mort, il a mort. La parole de Dieu n'est pas la parole. Amen. Amen. Donc j'ai pris la table. Les yeux, elle me sourit. Parce qu'on la connaît, tout le monde a peur. Pourquoi ça va? À 15 mètres, la salle de madame. Les mains qui vont regarder. Voici ma chambre, voici la fenêtre. Là, il y a un coupon pour bien. Et puis, vous allez vous aller trembler. Ah, il y a un aïe. Vous vous cachez. Ah, oui. Vous allez changer de chambre. Et bien, elle a beaucoup de mon gars. Si vous connaissez tout ça. Vous gagnez chambre, vous allez t'attraper. Et dès qu'il y a un problème. Vous allez voici ma chambre. Là, il y a un coupon pour bien. Parce que je sais qu'il y a des anges avec vous. Et bien, entre les mains. Amen. Voici la chambre. Il y a la couba. Je te regarde, il m'a beau, et tu es fort. Allez, tu es dans la couba. Ça, on va faire un peu peur. Mais il n'y a pas de rien. Si tu frappes ta peau dans ta peau comme ça, il lève la couba, tu peux pas la main. Et puis tu te poses dans ton lit là. Et il n'y a pas de quoi, le beau, il n'y a pas de rien. Mais il n'y a pas de rien. Mais peu m'écouter, il n'y a pas. Et pas, il n'y a pas de rien. Va, tu frappes juste à ta tête. Vous avez vu, il y a quoi dit, il s'amuse, il est mangé, je suis pas. Encore il est venu à vous dit. Il est mangé son fils. Encore il dit, dites-moi. Coup de poing, Jésus a donné la chance. Je dis, je l'ai gardé vous. Il a donné le cœur. Oui, la cœur, c'est ici la vie. Mais voyez, il a posé. Voyez la puissance de Jésus. Entre moi, je dis, n'est le plus. Amen. Amen. Elle dit 18 ans, j'ai dit mon réveil, c'est 19. D'accord. Et je vous parlais. Comme il y a là. J'ai bien dormi. Des mois là. J'ai bien dormi. Et moi, non, qui dit. Moi, je sais à qui j'ai pris. Et il y a moins de temps. Si elle est fétiche, si elle est de conneries, il y a aussi des fétiches, les. Mais d'un moment, je continue. Jésus. Et il y a bien dormi. Papa, peur.
Il est venu, mais au sort, mort, il est maintenant ressuscité. Mort pour le Dieu. Je suis mort. Au cou. Le Dieu. La porte du mal, la porte est bien. Le condom. Mort. Où est-on? Il y a une vie dans le bilan. Vous avez peur des menaces. Encore un pays, encore un gagnant. Je me réveille à 19h. Amen, je prends ma brosse à la porte. Et bien, on a fait la vie. Je pense à me procéder. Et donc, il y a un bon. C'est vous qui nous ont fait un peu de temps. Je suis vivant. Maintenant, j'ai dit, j'accepte ton Jésus. On a voulu le Jésus. C'est pas de la. Si Jésus faisait vraiment, je n'ai pas le su. J'ai dit, toi, non, non. Amen. Il a dit, ah, je suis fait le miracle. Alors, ah, ben, il a fait le miracle. Il a dit, fait le miracle, j'ai le su. Non, on a même un canon. Il faisait pas le miracle, il n'avait pas le su. Oh, il a fait le miracle. Je suis allé à l'église, on me dit non, j'ai le mot parce que je suis malade, ça fait deux ans. Parce que ça va, il y a. Parce que dit, mais toi, le Seigneur. Oh, il va nous voir, mais le ciel ne m'intéresse pas. Non, mais il y a, mais il y a. Toi, tu penses qu'il y a ciel, moi, je ne crois pas ça. Et il est bien. Oui, je suis malade. Il y a. Sorcier m'a dit si c'est choix. Quoi, quoi? Il y a le mot pour parler au mort. Quoi, bébé, il va me manger avec. Quoi, t'as venu me dire? Pour que Jésus me délivre. Il a dit ça. Ah, il va manger un petit. Et tu vois, mon frère, l'a mangé un petit. Ma soeur, ça va être la et non, on va aller. Ça, c'est moi. Moi, mon frère, je suis allé. Voilà, mais je ne veux pas le ciel. Les bains, nous voulons bien. Ça ne m'intéresse pas. Non, mais Jésus me délivre. Il me délivre. Il me délivre. Il me délivre. Les gosses ne vont pas te demander. C'est ce qu'il a fait. Les bains, nous voulons bien. C'est ça qu'il le sert aujourd'hui. Mais bon, quoi, il dit non, ah, vous voulez dire un miracle. Ah, oui, il veut dire bon. Mais un miracle. Et puis bon. Vous savez pas que vous dormiez, c'est réveillé, c'est un miracle. Galop, posez, non, non, c'est galop. Comment est-ce que un Dieu qui ne se révèle pas? Si Dieu, que tu pries, ne fait rien pour toi. Il a vraiment voulu un des hommes, mon gars, oui, oui, oui. Tu n'es pas dit Dieu. Il est bien pour le laver. Au travers de ses œuvres. On est là, la manifestation de la puissance de construire la foi de l'homme. On est là, vous courez là où il y a les miracles, mais oui. Ah, vous voyez que c'est le gomme. Si tu ne pas miracle, ta foi. On sait que c'est le gomme. N'a pas dit. Jésus là. Jésus. Il n'a pas commis une naissance comme nous. On est là, il a justement des rapports sexuels. Voilà, les miracles de sa naissance. Moi, je me priais, mais Jésus a fait des miracles dans sa vie. Donc, le fait de croire en Jésus, c'est pas un miracle. Donc, il commence des détails, mais il a dit suivez les gens qui font un miracle. Oui, parce que tout ton Dieu ne fait pas de miracles. Non, la gosse, il est de l'élevé. Celui qui est le propriétaire des miracles, c'est le Dieu d'Israël qui nous prie. Israël, là, comment vous dites? Donc, ton Dieu ne fait pas de miracles. Il est de l'élevé. Il faut le changer. Ah, celui qui est de l'élevé, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Amen. Regardez Israël, l'histoire même d'Israël nous enseigne les merveilles. Israël, quoi, il est de l'élevé. Ils sont allés en faire la guerre de 6 jours. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont attaqué Israël. Ils ont vu comment Dieu a défendu Israël. Toute la communauté arabe est levée contre Israël. Dieu a mis en déroule tous ses ennemis. Ils ont reconnu que le Dieu d'Israël est vivant. Ils ont fait la guerre. Tu ne peux pas construire un miracle. Allez voir, regarde. Dieu doit te protéger. La connaissance de Dieu. Tu ne peux pas suivre un Dieu qui est là, il regarde. Ne parle pas de lui devant son père. Puis dis, mangez-le. Oui, il a fait des petites fêtes, des foufous, des petites. Ah, Dieu, vous avez dit. Vous l'avez laissé, c'est pourquoi? Mangez le type là. Ah, Dieu, elle a même un an de vous mangez quoi? Ah, Dieu, vous avez dit. Amen. La fille dit que l'on se les arrête. Nous, on est en. C'est vrai que l'argent, mais ça vous intéresse. Comment on cherche, comment Dieu va nous protéger? Ah, il n'y a pas de gens qui sont guillés, il y a pas. Les blancs cherchent comment avoir l'argent. C'est comme des gens qui sont là. Les autres qui nous intéressent. Mais les gens. Parce qu'ils sont là partout. On les appelle les mangeurs d'âme. Voilà, on voit les corps. Ils sont là pour ça. On va prendre un coucher. Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Alléluia. Amen. C'est un ministère prophétique. Même le bébé peut être élevé. Trop d'improvisation. Le bébé qui a envoyé. Amen. Tout à l'heure, je vais poser un acte prophétique. Mais je vais vous donner comment utiliser l'eau. Il n'y a pas d'accord avec l'eau. Celui qui n'a jamais vu l'eau. Envoyez-vous, non. Celui qui n'a pas d'avoir. Moi, je n'ai rien. Pour rien. Et s'il a commencé à te détruire, donc, tout qui avait un homme, vous avez un poids, insuffisant rénal. On est en bleu. Ça va devenir cancer. On est en bleu. Il va mourir. Cancer, vous dites. Tu peux amen. Si ton Dieu ne peut pas tomber tes ennemis, c'est qu'il y a. D'accord, c'est un homme. Vous pouvez essayer. On est là, on est là. Amen. Il faut que tu expliques le Dieu que tu pries. Mais bon, la seconde, non. On l'a trouvé au père, c'est bon. Et tu dois renverser. D'accord, moi, on est comme ça. Vous devez croire.
allez dans les envoyés dans vos villes. Justement pour glorifier le nom de Dieu. Amen. C'est pas pour vous détruire. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Verrons tout. Mais Dieu, mais la continue cette situation. On y en est, parce que vous avez un Dieu vivant. Agala, comment y est-il? N'oubliez pas l'aspect combat. Ah, vous t'avez dit aux gens. Il y a combat. Chef combat. N'oubliez pas l'aspect combat. Il a déjà la victoire. Et bon, il y a un David qui est arrivé. Il faut qu'il y ait des attaques. Je suis toi, c'est mes enfants. Il est hier. Jérémie chapitre 1, verset 19 dit. Jérémie même blanc. Nous ferons la guerre. Jérémie chapitre 1. Nous ferons la guerre. Amen. Car je serai avec toi pour te délivrer. Et non, vous devez encore pour ça. Oh, acte de l'éternel. Nous te ferons la guerre. Peut-être qu'ils vont se fatiguer. Alléluia. Il ne prendra pas le dessus. Mais voilà bien comment vous dites. Donc si tu attaques, c'est normal. Mais quoi quand vous me dites. Quand tu n'as pas attaqué, c'est pas normal. Ouais, Dieu. Après, il y a des gens. Mais le diable attaque celui qui est important. Debé, à moment donné, si tu n'es pas attaqué, que Satan te reconnaît. Je suis trop attaqué, c'est normal. Parce que Satan sait que tu n'es pas de son camp. Il faut qu'il t'amène. Il est enseignant. Mais Dieu est avec toi. Mais là, on en connaît. Amen. Quand vous lisez Isaïe 53, il dit même si tu traverses le monde, je vais aller voir. Il n'y a plus que ce mieux, il n'y a plus que ce mieux. Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur des attaques. La seule chose, votre position, c'est de demeurer dans le Seigneur. Quelles soient les difficultés, quelles que soient, demeurer dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Dieu contrôle, il sait ce qui se passe. Il garde la sérénité. Il passe aux difficultés. C'est le bon. La Bible dit, c'est la fin. Bien, le commencement, la fin. Je déclare. Alors, après le prophète, la présence, et tu finiras très bien ta vie. Tes projets se réaliseront avant que tu ne rentres sur la terre. C'est une prophétie pour toi. Il est pro de moi. Ce que tu as retenu dans ton cœur, ça va se réaliser. Il est pro de moi. Avant que tu ne rentres sur cette terre, tous ces projets, nous les réaliserons. Israël est arrivé à Canaan. Israël, quoi, à Canaan. Tu rentreras dans ton Canaan. Il est dans Canaan. C'est ce qui est vrai. C'est ce qui est la vérité. Tu entreras à Canaan. Parce que tu t'es vu à Canaan. Canaan, c'est ton mariage. Si je reçois. Le Canaan, c'est ton mariage. Le Canaan, c'est ta guérison. C'est ton voyage. C'est ton travail. C'est ton succès. C'est ta prospérité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et les choses vont changer, les données. Parce que tu attends la parole du prophète. Tu attends une parole. C'est cette parole que j'ai prononcée sur ta vie. Amen. Tu vas commencer à les écraser. Alléluia. Nous allons emporter très bientôt les mois les plus dangereux. Chaque jour, vous avez posé un arbre. À partir de septembre, octobre, novembre, décembre, c'est les mois les plus dangereux. Vous savez, maintenant que j'ai décidé de poser une action pour vous qui s'est passé, en fait, tous ceux qui ont résolu, pendant ces mois, c'est pendant ces périodes-là, qui créent des grands accidents, c'est assez. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons d'une durée de 4 mois. En septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà qui est mon nom. Et ces démons-là ne se méritent que du sang. Le tout, on en a des démons. C'est ça que vous allez voir que la guerre. Nous, on est là, c'est en septembre. Septembre, tout le monde. Et quand c'est le aux États-Unis, où il y a assez de trucs, c'est en États-Unis, maintenant. L'un qui est hier. Le premier coup d'État, c'est en décembre. En un. Puis l'un qui est bizarre, c'est dans cette période de mois. C'est l'un qui est en décembre.
Amen. Amen. Rien ne fait en ça. Oui, nous les gens n'invertissent le système de temps. Oui, bien, oui, c'est vrai que j'ai abordé un moment l'enseignement sur les jours de la semaine, je n'ai pas fini. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc c'est à quel moment attaquer? Oui, c'est à quel moment attaquer? Il est à la grâce de Dieu dans ce ministère. Là, bon, nous avons les yeux sur beaucoup de choses. Ce matin dans le centre à Divo, j'ai serré le lit. Le divinité à la vie. C'est nous-mêmes qui donnons raison au diable. Pourquoi? Parce que Dieu nous a légué son pouvoir. Là, il t'a donné son pouvoir. Satan, lui, son rôle, c'est de programmer. Je vais vous montrer. Oui. Il pas que tu délis. Elle a mon problème. Elle a pas mon problème. Mais tu n'as pas délit. Elle est un peu. Elle est minime. Vous lisez Matthieu 16, verset 19. Elle a battu. Tu vas vous donner le royaume. Oh, non, 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 non. Amen. Vous avez un rendez-vous d'emploi, des affaires. Avec pendant une période de 7 jours, le monsieur que vous allez rencontrer, vous avez son nom. Et quand il dit que le monsieur ne rencontre rien, il ne réussit rien. On a dit que vous avez dit. Pas de la sorcellerie. Vous avez dit. Toutes ces règles-là. Et vous avez dit. Amen. Amen. C'est ce que toi tu délies sera délié. Amen. Dieu a utilisé la parole la du ciel et la terre. Et tu fais de toi un petit Dieu. Ce sera que Élie n'a pas consulté Dieu. Nous, Élie, nous avons la carrière. Il est au ciel, c'est toi. Oh, nous, et le ciel s'est fermé. Jésus n'a pas consulté Dieu. Quand il disait au soleil de t'arrêter, il n'a pas consulté Dieu. Alors, la carrière. Soleil, arrête-toi, monsieur. You. Qu'est-ce que tu fais? Allez, mon nom. Vous avez le pouvoir. Regardez Dieu. Frère, nous avons le pouvoir. Oui, regardez Dieu. Et vous avez vu ça hier? Là, il y a un comédien de sorcier veut m'attaquer. Vous avez un bon. Il a frappé d'aveuglement. Et vous, le Dieu. Il est là. Moi je vais prouver la parole de Dieu. Oui. C'est comme ça que je suis. Il est le jour où vous choisissez les mains. Je vais au ciel, je monte un coup de temps, un même Dieu. Et non, mais voilà, c'est un peu plus. Et puis tu as réussi ça. Amen. Amen. Il a fait comment?
une tentation, je vous mets deux jeunes, et puis les trois personnes sont sorties. Les trois personnes sont sorties. Et puis, ça a été brisé. Ça a été brisé par là. Et quand vous m'avez donné pour le 10, il y a beaucoup de jeunes et il y a plus clair. On acclame le Seigneur. Donc, il faut essayer encore. Hein? Non, il ne veut plus. Vous essayez? Non. Vous pouvez essayer? Non. C'est pas pour ça qu'on vient encore. Ça, c'est Dieu. C'est cœur, il y a arrêté. Non? Je t'ai rien fait. Et puis tu viens jouer, moi. Tu me plais, tu vas jouer. C'est pas tout le monde à la table. Pas d'accord. Donc tu es sorcier. Oui. Viens manger ta. Oui. Vous voulez me manger? Non, je voulais vous taper. Ah, c'est oui. Sorcier. C'est trop difficile. Il n'est que ma vie. C'est Dieu qui m'a dit. Il fait qu'elle va. C'est ça qu'on a dit. Il y a même pas dit. C'est quand tu as dit ma foi, il tombe. On a gagné le mot, oublié. Amen. Il n'y a pas peur de. Il soit moins, ouais. Il soit divin. Tu dis, il est banaliste. Mais il a bien fait. C'est comme un enfant de 2 ans, il a fait parler avec. Il est, il a bon mot. Il est bon, il a pas bon. Tu veux mourir. Il y a, il va te mourir. Il y a des choses qui arrivent. Il a suivi mes vidéos. Et j'ai montré les choses à faire. Il a fait ça. Quand il a fini de casser le bouquet, on l'a appelé. On dit ton sorcier est cigaré. On y a. On ne connaît même pas, mais mon David a vu son. Sur internet. Il m'a envoyé le témoignage. On est dans la voie qui joue. Mais ce qui va se passer chez eux. Mais il va vous prier. Parce que Dieu est fatigué. On a trop. Amen. 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 Il faut que Dieu les fatigue. Amen. Voilà. Vous êtes fatigué. Waouh, là, c'est la mort. Vos données vont changer. Ne me gagne que ça va repartir dans leur camp. Dieu m'a dit. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y avait une tumeur à l'intérieur. Et il y a un frère dans l'avion. Tu sentais qu'il y avait une boule à l'intérieur. Et c'était cassé. Un poteau. Elle a vu les gens qui tentaient de tuer, c'est ça?
Quand il avait dans mon rêve, il était en train de m'égorger. Quand c'est réveillé, le cou enflé. La nuit, ils l'ont tué. Dis-moi, j'étais là-dedans, que c'est fini. Tu es là où j'arrivais. Ils vont te lâcher. En tout cas, pour vous. Dis-moi. La sauce qu'il veut manger, il fait. Là, mon gars dit, oh non. C'est sauce sur pour la. N'est pas aidé. Oui, non, 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 non. Pour les façons, on prie pour toi, ton âme, c'est fini. Mais encore, vous pouvez pas passer avec ton âme, c'est fini. D'accord, on est pris par des nuits. Je vais t'adélivrer. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Moi, je crois trop à vos guérisons. Je crois trop à vos miracles. Amen. Si tout ce qui est problème de sorcellerie, c'est la grâce de Dieu. Prouvez que tu es la foi. C'est tout. C'est pas une question de grâce. C'est une question de est-ce que tu as la foi? Même les incapables, la foi en Jésus. C'est tout. Mais bon. Qui est la foi qui croit que son problème c'est la guérison? À l'antenne, je vais avoir un problème. Ah, moi, si je crois. Amen. Amen. Ma sainte, je vais avoir un problème. Nous avons déjà vu beaucoup de cas. Les ayants ou les gens délivrés. Quoi, tu vas bien dire. Mamie, ça va? Voici une dame qui a été délivrée de la sorcellerie. Elle, sa spécialité, c'est de prendre Maggie et puis mettre dans A. Maggie, tu peux faire soumis. Non, non. Mais Dieu l'a délivré. Ce qui est intéressant, encore, je suis ici les lieux, on a un sort là. Libre d'Aguille, Maquiomé, ça marchait encore. Et on va voir ça dans le moment présent. Et là après, c'est les mouches, on est comme les clients. Les mouches. Ils sont comme les clients. Ils sont des clients de Maggi. Ils sont comme les clients. Bon, bon, monsieur, madame, c'est les mouches qui viennent payer. Les mouches. Donc, on est venu à Yébroka. Vous avez fait quel plat aujourd'hui, les mouches? Elle prend le maquis et les mots. Le maquis. Maquis et les mots. Hein. Qui est la statue là? Rond-point, Gibi. Non, rond-point, c'est bien. Mais quoi là? Quoi, je crois qu'il y a. Maintenant, on a plat la même, elle prend sa taille maintenant. Bon, minimi, on s'en met. Jamais. C'est qui mange? Mais non, mais qui m'a dit, oh. Alors, même nous, nous sommes. Il mange au plus le maquis. Il nous a un bon maquis à poser. Il mange au plus le maquis. Il nous a un bon maquis à poser. Il nous a un maquis bébé. Il connaît sa guilla. La question de la seule. Oui. Tu as laissé son sorcellerie. Oui. Tu faisais quoi avant? J'ai tué mon frère. Tu as tué ton frère combien? Cinq. Cinq personnes. T'as tué, t'as mangé. Mmh. Tu préparais toi-même. Hein? Oui. La sorcellerie. Oui. T'as mangé. Oui. Tu as gâté. Oui. Tu as gâté quoi encore? J'ai gâté ma guide de ma sœur. Ma guide de ta sœur. Mmh. Tu as fait quoi ma guide de ta sœur? La de la roue. Dans bois. Dans bois. Oui. Elle prend le maquis, elle en fait le maquis. Mais je m'avoue que aujourd'hui, il y a eu le témoignage, j'ai même veillé avec eux ce soir. Le paquet a commencé à reprendre sa marque. Elle n'a même pas qui. Non, notre Seigneur. Je la phrase. Donc elle est venue sans arrogance. Donc il a dit, je suis prêt à t'aider. Même si ta famille te rejette, je suis prêt à t'aider. Amen. C'est cela qu'elle est ici. Même pas. Il y a des gens qui ne veulent pas. Je suis allé régler ce problème. C'est vrai qu'elle a fait sa sorcellerie. Elle a besoin maintenant de la vie. Maman, il faut qu'on l'aide. Il a un cœur. Donc elle est là. Je suis en train de l'aider.
soit bon de tout faire, de décloser de sa famille. Et comment on va nous dire, oui. Donc j'ai dit aux gens qu'elle est délivrée. Oui. Et rien qu'on a, mais Dieu finira par toucher les cœurs. Si elle est sincère, okay. Elle finira par toucher les cœurs. Amen. Ça va? Depuis que tu es ici, tu ne vas pas voir bien briser là-bas. Non. Pourquoi non? Tu ne vas pas bien. Non. C'est bon ça. Non. Ils ont fini à manger âme. Pourquoi? Les sorciers disent. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Quand il est bon, il a de l'âme. Donc quand il manque de sang, ils sont quatre. Et le monsieur devait faire 20 ans encore. Il se prend 55 ans. C'est pour cela qu'il vit assez. Il y a quelque chose qui tourne dedans. Vous voyez, développez. Pour qu'il soit trop. Il y a une année. Bon, il faut. Je vais passer bien, c'est bien. Il y a une année qui vient dans la bouche. Mais la fin vient de marcher. Ça va? Oui. Tu regrettes ce que tu as fait avant? Oui. Tu avais appuyé là-bas, mais tu faisais comment partir? Il n'y a pas appuyé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, elle est transformée en épervier. Mais Dieu l'a délivré ici. La gorge, est parce qu'on va clamer Jésus, va t'asseoir. Elle est. Oui. Amen. Elle est délivrée, on dit amen. Elle est délivrée. Dieu peut délivrer un sorcier. Vous avez une grosse amie. Dans cette façon utile, le représentant pour obéir à la famille. Elle a même elle-même détruit sa propre vie. Quand on y a sticot dans sa tête. Non. Non. On dit c'est vigré. Je vais vous donner beaucoup de gens. Oh, mais le monde. La fille est mon Dieu, elle porte les lunettes. Oh, j'en ai dit. Le ciel a été guéri. Mais voyez, on y est un homme, mais voyez, c'est ici. Mais en temps de lui, la fille a été guérie. Voyez, voyez, je l'ai vu même aujourd'hui, elle porte plus les lunettes. Et il y a des gens qui disent, oh, j'en ai dit. Elle a acheté sa très chère, elle ne pouvait pas m'appeler sans ça. Oh, non, on y est dit. Elle était tout à monter. Mais la royale, on y est. La sorcellerie existe. Vous gagnez écho. Devant tous combattre. Il a un mot d'ailleurs. Amen. Pas une question d'aller brûler un sorcier. Il est sorcier. Mais j'ai posé un acte prophétique. Parce que quand un homme de Dieu, c'est son onction. Quand vous le fréquentez, c'est son onction qui place sur vous. Même lui, il a un mot. Accord. Amen. Vous allez voir un médecin chirurgien. Lui, il ne fait que la chirurgie, c'est son travail. Il y a des gens qui font des généralistes. En même temps. On parle d'un mot, bien. Et puis Dieu spécialise des gens dans des domaines. Nous, notre spécialité, c'est la destruction. Il a appris les œuvres de la sorcellerie. Si quelqu'un dit les sorciers, il te met là. On est pour le nom de Jésus. Si tu as peur, viens me voir. Si continuellement, il le fera. Amen. 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 Il y a des choses que je connais. Oui, on a connu ici. Bah, moi, je ne vais pas vous montrer. Bah, vous allez... Avec même la terre, tout on peut tuer beaucoup de sorciers. Ils connaissent des choses, c'est ça qu'ils arrivent à vous avoir. Oui. Comme on n'est pas fait pour tuer, bah, non, à 40 ans, donc communique la vie. Mais comme ils sont trop fatigués, moi, c'est bon, oui. Amen. Donc là que je vais poser, il faut que la maladie retourne dans leur corps. Ils doivent être maintenant dévoilés. Non. Amen. Amen. Stop. Amen. Il y a quelqu'un, Jésus va te délivrer. Jésus n'a pas ça. Jésus va te délivrer. Amen. Il faut régler ça. Pourquoi? Mettre quelqu'un devant tout le monde. Il est vraiment quoi? Tout le monde a un peu de temps. Il y a quelqu'un qui sort dans la tête. Il dit pourquoi il humilie les gens. Il est en paix quoi? Il voilà. Moi je la sois. Amen, non, je t'ai oublié. Non. La plupart des gens, vous mettez, les plus grands ceux qui confessent, à moi, c'est les sorciers. Oui, vraiment, c'est bon. Monsieur le père, monsieur le père. Puis le tout, il marche. Je vais t'enlever ça. Tu viens encore à. Je
Dieu l'a appelé Suzanne, mais j'ai attendu mon cœur, mais mon cœur, je n'ai pas pu. Et elle est revenue. Dieu te pardonne. Moi, je vais te dire que tu allais me pardonner. Il y a le problème. Je vais t'appliquer ça. Et moi, pas ça. Je ne peux pas maîtriser ça. Il ne peut pas. C'est un démon qui avait. Un démon qui avait. Il dit des prophéties. La confession ne délivre pas une personne de la sorcellerie, les aveugles. Et il dit ça, il dit ça. Et ça, il dit ça, il dit ça. Mais c'est une action. C'est-à-dire qu'à partir des aveugles, on peut bien délivrer un sorcier. Parce que si on a une société qui avait une société secrète, l'initiation, on te prend, on te met à soi. On te donne quoi? On vous connaît, on va voir. Viens de là, bat-toi. Et puis quoi? Est-ce? Vous comprenez? Donc, tu sais le pacte. Donc, on est là. Tu fais à soi. On te donne la viande. On te donne. Et puis le sang. Comme Jésus. Le pain et le vin. Oh, c'est le corps et le sang. C'est comme ça. Le pain et le corps de Christ. Oh, le pain et le sang de Jésus. Une alliance avec le monde qu'il est. Il est même. Et puis de manger. Il est béni. On te demande quoi? Quelqu'un. On te demande si tu veux. Il faut te demander avec quelqu'un. Quelqu'un. Et on te demande forcément d'avoir une personne. Voyez comment ma mère l'a connu. C'est quand tu en bois, et tu as droit à la parole. Tu peux maintenant décider. Quelqu'un qui dit qu'il est sorcier et qui n'a jamais tué, il ment. On ne peut pas. Vous savez pourquoi on va la consoler? Mais on ne peut pas être tuer comme les gens voulaient tuer les sorciers. On ne peut pas être sorcier sans qu'on ait tué. C'est ce qui est dit aux gens, il y a des cultes spirituels. Les gens ne prennent pas compte de quel poisson de ça. Il faut des preuves. En quelle sorte? Il faut des preuves. Il est dit à sorcier à qui on voulait preuve. Attends, j'ai un autre monde. Le bouddhaou. Et les gens ne maîtrisent pas. Le quoi, vous voyez. Le monde spirituel. Vous le quoi. C'est aussi une réalité. Le monsieur peut entrer dans ta maison là. Il te dit. Il peut mettre dans une maladie mystique. On le tire pour le sang. Une maladie. C'est la dernière fois. C'est la dernière. Et après, on te demande de tuer, c'est ça? Et tu tues. Quand on tue cette personne, moi, il a besoin. Et on dit quoi après? Quand on vit de route, on dit que ça dit que c'est ça. Il n'est pas dit à quelqu'un. Voyez ça? Vous ne pouvez plus dire des choses. Même vous dites que c'est pas ça. Et que vous êtes en dans une forme. Vous savez, tu vas me parler de sorcier, mais c'est quoi? Il est pas que. Il est pas que je suis sorcier, mais je ne vois pas. Il est pas que. Il est pas dit. On sait le. Il va me dire les sorciers. Il manque. Il est le jour qui parle le roi de Dieu. Donc, quand le sorcier se met, vous parlez publiquement, il va faire ça. Il va faire le jour. Il va faire le ça prie. C'est pas qu'il y a tous avant de mourir d'aveu. Il va faire la voix des aveux avant de mourir. J'ai fait ça, j'ai fait ça, puis là. Donc quand le sorcier vient publiquement dire aux gens, mais c'est prouvé dans la Bible. Jacques 7, verset 16. Allez, Jacques, chapitre 5, le verset 7. La sorcière est une maladie. Vous voulez venir chasser le résistance dans les programmes. Allez, on va venir. Confessez donc vos péchés. Les uns aux autres. Vous dites quoi? Confessez vos péchés. N'a pas d'aller voir un prêtre. D'aller voir un pasteur. On a mis un petit peu. Vous avez confessé vos péchés. Les uns les autres. Il y a une fois. Et prions les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Vous voyez, mais pourquoi la confession et puis la prière? Vous voyez, il y a pas deux d'abord. Pour la sorcellerie, pour que je prie pour elle, la recommandation biblique dit quoi? La Bible dit, il faut d'abord qu'elle parle d'abord.
et que je prie. Et qu'il a guéri de ce mal. Et que je prie. Et ne fait pas les aveux, c'est fini. Il n'y a plus de la rue. Ce serait que les gens ne le disent pas. Mais vous parlez, ah bon, c'est vrai que les sorciers. Oui, il y a des gens qui ont dit, envoyez un homme. Bon, bah, vous pouvez pas finir. Bah, le sorcier a parlé. Pourquoi? Et puis il met la personne en jeu. Non, je dis. Bon, la journée, non, c'est fini. Non, mais je te dis, mais moi, vous voulez qu'après les aveux. Ok, mais ça, il faut chasser le démon. Qui vient de venir? Il y a un démon. Il faut chasser. Quand c'est devant Dieu, les gars, il veut que l'on enseigne comme tu l'as dit. Dès que tu retournes, il te met comme châtiment de Christ. Dieu nous a révélé ça. D'accord, le réglé du problème des sorciers. D'accord, les sorciers. Hein?